Mes frères, nous ne pouvons pas briller sans l'Esprit de Dieu. On regarde dans ces textes trois choses que j'aimerais rapidement partager. Premièrement, le Saint-Esprit est la seule source de puissance du chrétien. Vous m'avez entendu? Le Saint-Esprit, pas le mouchoir. Le mouchoir sans le Saint-Esprit, c'est un habit, comme l'arche sans l'alliance n'est qu'une œuvre d'art. Si l'Esprit ne touche rien, tout est vide. Il n'y a qu'une seule source de puissance pour le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Pas l'eau. L'eau ne vaut rien si ce n'est pas ce que l'Esprit a demandé de faire. Pas l'huile. L'huile ne vaut rien si ce n'est pas la directive que l'Esprit a choisie. Pas la veste. La veste n'a rien dedans si l'Esprit ne saisit rien. Tant que le Saint-Esprit n'agit pas, on ne peut rien faire. Un jour, les gens sont venus dire à Jésus: oh Jésus, on te voit chasser les démons. On dirait que tu chasses les démons par Belzébul. Jésus dit quoi? Par Belzébul. Tu as déjà vu un royaume lui-même se diviser? Commencer à se combattre lui-même. Bon, vous dites que moi je chasse par Belzébul. Et vos enfants? Et ils chassent par comment? Alors il les rajoute: si je chasse les démons par le doigt de Dieu, sachez que le royaume de Dieu est là. Et l'autre évangile clarifie ces termes-là. Il dit ceci: si je chasse les démons par le Saint-Esprit, c'est que le royaume est proche. Mes amis, on ne chasse pas les démons par la prière. On chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit que vous dégagez par la prière. Je tiens à ce qu'on comprenne ça, mes frères. Vous aurez arrangé toute la famille, tous les frères et sœurs de la famille, parce qu'ils ont peur des problèmes de la famille. Vous commencez à prier ensemble. Au nom de Jésus, mais ils sont païens. Sans Jésus, remplis de peur, la puissance qui chasse les démons, ils ne l'ont pas. Même quand vous leur faites jeûner pendant 7 jours, tant que Christ n'est pas resté dans leur vie et que l'Esprit n'a pas rempli leur cœur, ils ne peuvent pas faire ça. Les 21 jours ne donnent pas la puissance de Dieu. Il faut recevoir la puissance de Dieu, c'est différent. Mes frères, nous sommes allés à l'école ensemble, à l'université ensemble. Certains d'entre eux, ils étaient même les meilleurs de la classe. Après, quand on descend en centre-ville, on va chercher le travail. À ce moment-là, on descend au marché pour aller vendre des choses. En ce jour-là, quand on va à Dubaï pour aller chercher de quoi vendre, eux qui étaient les meilleurs en économie, eux qui donnaient même cours à l'université, ils sont allés voir des féticheurs. Pourquoi? Parce que la course n'appartient pas aux agiles. Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance humaine. Ce que ce monde dans lequel nous sommes est essentiellement spirituel d'abord. Et eux aussi savent que X, Y ne suffit pas. Les principes de Maxwell ne suffisent pas. Mais avant qu'ils ne comprennent ça, Jésus le savait bien avant. Et il nous a dit ceci: vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous,
alors vous serez mes témoins. Mes frères et sœurs, si ce n'est pas par l'esprit que nous travaillons au travail, si ce n'est pas par l'esprit que nous vendons au marché, si ce n'est pas par l'esprit que nous allons à l'école, si ce n'est pas par l'esprit que nous vivons nos mariages, si ce n'est pas par l'esprit que nous élevons nos enfants, nous ne pourrons jamais briller plus fort dans ce monde. Le Saint-Esprit est la seule source de puissance du chrétien. Pourquoi vous négligerez votre seule puissance? Mes frères, vous voulez que nous brillions? Vous voulez être différent? Ne cherchez pas un relique. Un artefact, un truc. Oh, bah, quand y'a un wawa. Oh, tu mets ça autour de toi. Mouchoir magique. Stylo magique. Ou des bougies magiques. Mon frère, la bougie va finir. La chaînette, tu peux l'oublier dans un autre sac. Je veux une puissance qui vit en dedans de moi. Je veux ce que Pierre et Jean avaient. Il savait que ni or ni argent, cela à ce moment on n'en a pas. Mais nous avons quelque chose d'autre au-dedans de nous. Tu as bien fait de venir maintenant. Il y a quelques jours, nous étions dans la chambre haute. Nos têtes ont commencé à s'enflammer. Maintenant que nous t'avons vu là, nous savons que celui qui fait fonctionner le nom de Jésus habite en nous. Frère, le Saint-Esprit est la seule source de notre puissance. C'est par lui que nous chassons les démons. C'est par lui que Daniel avait un esprit supérieur au milieu de ses collègues. Daniel était différent. Il donnait des conseils différents. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas que pour les choses de l'Église. C'est rempli du Saint-Esprit que David a dirigé le pays. Le Saint-Esprit rend intelligent. Ça va même vous étonner. Quelquefois, quand il répand son onction sur toi, il te rend même beau, il te rend belle, il te fait rager. Le Saint-Esprit, mes frères, il n'est pas la démonstration des pasteurs quand ils prêchent. Non, il est Dieu vivant dans ton cœur. Maintenant, il a une relation personnelle avec toi. Ce soir, le Saint-Esprit veut rentrer avec toi à la maison. Il veut aller dormir avec toi. Il ne veut pas rester sur le terrain d'Allemagne. Il veut que toi, tu sois le temple là où il va habiter. Au lieu d'aller dans des temples, de bâtir des temples dans la maison, aux hôtels de culte, et d'avoir une chambre où les gens n'entrent pas, je ne préfère pas ça. Ah non, je préfère moi être les temples du Saint-Esprit. Où que j'aille, il est avec moi. Deuxièmement, ce texte nous montre le Saint-Esprit ne se reçoit, le Saint-Esprit se reçoit par la foi et non par l'argent. Par la foi et non par l'argent. Philippe arrive. Il démontre la puissance de qui? Du Saint-Esprit. On se rend compte, la seule source de puissance de Philippe, c'est le Saint-Esprit. Mais deuxièmement, les Jean et Pierre arrivent. Ils prient. Les gens reçoivent l'Esprit. Et la suite,
Simon vient. Simon dit donnez-moi l'argent. Simon dit je veux vous donner l'argent. Donnez-moi ça. Simon, les gens qui reçoivent là, ils ont donné quoi? Simon, comment tu peux être bête? Les gens à qui on donne là, ils ont donné quoi? Comment toi tu veux inventer une autre chose? Ils sont là, en train de recevoir gratuitement, par la foi. Mes amis, on ne reçoit pas le Saint-Esprit par le jeûne. On reçoit le Saint-Esprit que par la foi. Tu peux avoir beau jeûner, mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Pasteur, par la foi. Ah, quand vous parlez de la foi, là, ça devient compliqué. Compliqué. Comment la foi est devenue compliquée? Pourquoi c'est devenu compliqué? Pendant que toi, sur Internet, tu regardes une vidéo. Une vidéo coupée. Et tu crois. Tu réagis. Tu écris. Tu commentes et tu partages. Qui a envoyé ça? Tu ne sais pas. Pourquoi il a mis ça? Tu ne sais pas. L'autre partie, tu ne connais pas. Mais tu deviens évangéliste d'une vidéo. Parce que tu crois à la vidéo. Et tu me dis que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que la foi. On t'a dit, tel que tu es là, tu as des sérieux problèmes. Ça nous prendra même 10 ans, petit à petit. Tu as accepté. Mais on te dit, si tu crois, tu verras. Et tu réponds comme Marc. Non, je sais. Mon frère ressuscitera les derniers jours. Mes frères, pourquoi la parole de Dieu devient reportée pour demain? Jésus dit à Marthe, est-ce que tu crois que ton frère ressuscitera? Oui, Seigneur, je sais. Pas maintenant. Les derniers jours. Quand Dieu dit maintenant, ça veut dire quoi? En grec, en hébreu, en araméen, ça veut dire maintenant. Est-ce que tu crois? Je sais que tu as la foi. Parce que je t'ai vu avoir le doute. Le doute, c'est juste la foi placée sur une mauvaise chose. Je t'ai vu avoir la peur. La peur, c'est la foi placée sur une mauvaise chose. On aurait bien dire ça, Lingalo. Moi, on m'a dit lalaki. Ayebi ka lali. Tant avant là, la longueur qui veste à tchèque et manteau. Naboutou. A l'amour qui courait ke. A kana qui te gagne au fond, la mise sous courait aux aléke. Mais tant au courait ke. A fond, le mise. A tali mou pandi à porte. A beleli. Namoni moutou. Yaya, ozana mokili, eza place batu bazalaka. Yoana zo bele la veste na ye moko. Andimi deja na mwa seconde wana ge loko wana ya veste na eza mutu. Panda ba ne bele makamwa ne salamara. Ba jane zo rega. Mais pendant que Dieu, des années et des années, mboula na mboula, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pasteur, je vais partir d'ici rempli du Saint-Esprit. Ouais. Dieu a prévu ça. Il y en a pour toi. Et si tu demandes, il va te le donner gratuitement. Et j'ai même entendu des gens dire, tu peux être en train de demander le Saint-Esprit. Et puis, comment le balang, on a balang, on est où tu wapi? Même si ça va démon, balang, ça va démon, bolo. Jésus dit ceci.
Je vous ai cité ce texte-là hier. Le même texte est cité dans deux évangiles différents. Et dans l'un des évangiles, il dit ceci. Aussi mauvais que sont vos pères sur la terre, qui vous donnent du pain quand vous demandez et non une pierre. Qui vous donne le poisson et non un scorpion. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit lorsque vous lui demanderez? Il n'a pas dit quand vous lui demanderez. Il vous donnera un démon. Vous ne pouvez pas aller demander à Dieu et là-bas chez Dieu, c'est Satan qui vous répond. Je ne sais pas quel est ce délire là. Je suis avec Dieu quand je lui demande et Satan répond. Quel est ce Dieu irresponsable qui était censé me donner et pendant qu'il devait me donner, j'ai reçu de Satan? Vous êtes à quel endroit? Où est-ce que ça se passe? Si ça se passe dans la présence de Dieu et c'est à Dieu que vous êtes en train de parler, il vous donnera le Saint-Esprit quand vous demandez le Saint-Esprit.